Et bienvenue sur notre chaîne Tic et Tac, les aventuriers, toujours en Martinique. Et aujourd'hui on est à Rivière-Pilote. 15 janvier 9h52, 29 degrés, il fait très très bon. Ouais. On a roulé une petite demi-heure depuis notre logement qui est situé sur la commune du Diamant. Voilà. Donc très très bien. Mmh. Ouais, vraiment l'endroit est top du top. J'aime beaucoup cet endroit d'ailleurs. Ouais. Le Diamant, je recommande à 10 000%. Donc là on est revenu plutôt vers le sud de l'île. Pour voir cette petite plage de Hans Figuier qu'on n'a encore pas vue et qui est vraiment très mignonne. Sinon, hier en fait c'était notre journée off, vous a pas pris. Non, on n'a pas fait grand chose, on a bossé. Ouais, après on a rien fait. Ouais, rien fait. Bossé. Et après on allait voir un magnifique coucher de soleil. Ouais. Même si on l'avait pas en face de nous, c'était quand même très très joli. Sur le ponton du Diamant. On vous met quelques images maintenant, regardez, voilà. Ça vous plaît. Waouh, c'était beau. C'est super beau. Et après on a été boire de l'eau et du jus de fruits dans un petit bar sur la plage, un petit groupe. Oui, moi aussi. J'avais de l'eau avec du citron, c'était très très bon. Et moi c'était du coca avec de l'eau. Il y avait un petit groupe qui faisait de la musique. Ouais, c'était cool, c'était sympa. Une belle ambiance. L'ambiance était cool. Et on a pris des pizzas. On a mangé des pizzas le soir, ouais. Donc, c'était pas donné. Non. 17 euros à la pizza, pas donné. C'était pas les meilleurs non plus. Bof. Ouais. Pas mauvais, mais pas excellent pour le prix, je trouve. Ouais, et nous voilà aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, on change de logement et de région. Donc restez région. Bien connectés sur cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez voir tous les anciens logements, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre la petite cloche, ça nous soutient toujours énormément. Ça nous fait beaucoup plaisir, oui. Beaucoup plaisir. Et on se retrouve fin de vidéo pour le nouveau logement qu'on récupère à 17h. Donc un room tour, les trois dernières nuits en Martinique. Et ouais, ça sent la fin, Mel. Et après on retourne 6 semaines en France. Eh oui. Ça va, on retourne que 6 semaines en France, peut-être pas non plus. Allez. Première impression ? La plage ? Ouais, ça paraît moi, très sympa. Moi je trouve ça super sympa. Ouais. Bon, on parle de trop, t'as envie de faire pipi. Allez, en plus, c'est il m'a dit j'ai ta pipi, Allez, c'est parti. Bonjour. Coucou les parents, comment ça va ? Jojo avec sa frite. Ouais. Alors, comment vous trouvez cette petite plage ? Bah, franchement, moi j'adore. Hein. Hans Figuier, c'est sympa. C'est Hans Figuier. Là-bas, propre les rochers, snorkeling. Snorkeling, ouais. Voilà. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Bah écoute, on va s'installer, puis après on va aller dans l'eau. Hein. Oui, alors, c'est tout ça. On va en profiter. Hein. Ça va être très mignonne cette petite plage. On a trouvé notre petite cabane. Ouais, on a un petit abri comme ça là, regardez. Il y en a plein. Ouais, et l'avantage, c'est que là, il y a les douches. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Toilette, douche, il y a de quoi manger sur la plage, oui, y a des boire. Petits snacks, Il y a un parking également, juste là en face de nous. Il y a un gros parking, attendez, je vous montre. Regarder. Il y a un gros parking. Avec des voitures blanches, comme d'hab. Et plein de ciel noir, vous avez vu, c'est pas ouf. Par contre, le côté là, c'est un peu mieux. C'est très joli, très moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. C'est une petite anse, hein. C'est pas une grosse, grande plage. C'est calme. Ouais. J'aime ça. Ouais. Il y a des palmiers c'est plus... et du sable. Allez. Et de l'eau. Dans l'eau ? Yes. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Alors Mel, cette petite plage, qu'est-ce que tu en penses de beau? Bah beau, hein. Ouais, très beau. Non, c'était marqué pas snorkeling, mais en fait, sur le bord, vous avez des coraux des et cailloux, tout, c'est quoi. Sympa. Hein. Au milieu, il n'y a rien. Vous n'aurez pas de tortue, il n'y a pas d'herbier à tortue ici. La plage est agréable, il fait d'abord la douche, c'est cool aussi. Ouais, c'est clair. C'est petit, c'est mignon. Ouais, c'est... Ça me fait penser un peu à Lens, Caraïbes, un peu. C'est pas surchargé. Au Guadeloupe. Et là, le soleil, d'un coup, il se met à me taper là, sur les fesses. Ça se dégage plus ou moins, on va dire. C'est alterné. Après, je suis pas allée voir le prix des restaurants. J'ai pas regardé. Mais vu qu'il n'y en a pas beaucoup, à mon avis. Ah, je sais pas, ça veut rien dire des fois, tu sais. Je sais pas ce que j'ai envie de manger ce midi. Un petit tagoulou. Riz, lentilles, poulet. Pour changer. Un petit poulet boucané. Non, mais c'est vrai que par là où on est installé, au Diamant, là, il y a plus de choix. Ouais, il y a des trucs différents. Plus de choix, ça, ouais. C'est sympa aussi. Et c'est agréable, effectivement. Bon bah on profite, on plane. Hein. On plane, ça va, c'est pas trop dur. C'est pas évident. Ouais, bon, vous avez un restaurant ici, snack de la plage, spécialité grillade. Bon par contre là elle me dit qu'il faut réserver quand même pour ce restaurant. Pourtant on est en semaine, on est lundi, mais il faut réserver pour les quantités. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez manger dans un des trucs à aller voir en début, voir ce qu'ils font et puis commander. Et voilà, le deuxième restaurant, c'est un peu les mêmes choses, un peu les mêmes prix. Hein.
Voilà, à peu près ce que vous pouvez retrouver. Il y a vachement... Le soleil qui me cramait les fesses, c'est ça. Il y a vachement plus de place sur la plage, du coup. Hein. Ah, non, regardez. Hop là. C'est bon, choisissez votre place. Là, on est bien. Attends, on se met dans l'autre sens. Bon, bah écoute, il y a un petit nuage avec la pluie. Je n'avais pas regardé la météo, en fait. Là, ils annoncent de la flotte. Et puis, il y a du vent. Il y a du vent fort. Il y a du vent fort. Ouais, mais c'est des petits passages. Ça passe vite. Donc là, on va attendre. On va à Sainte-Luce après. On va voir pour manger. Puis voir un peu la plage là-bas. Je commence à voir la dalle. Ouais, moi aussi. Les crèves la dalle tout le temps sur la piscine. Bon, bah, c'est parti. Donc voilà, petite escale à la plage de Sainte-Luce. Ah oui, Luce. Après, Sainte-Luce. Elle est grande en fait, elle est étalée sur plein de kilomètres. Il y a quoi. Gros raisins, celle-là c'est la communale, c'est ça? Ouais, c'est la principale, je dirais. Vous voyez, là au fond, on voit, c'est le diamant. Et en fait, sur la route là où il y a la plage de Sainte-Luce, il y a justement le village Pierre et Vacances. Ouais. Le nouveau. Ouais. Qui remplace celui là où on est quoi. Donc ça prend quand même beaucoup de place, donc c'est face à la plage de Sainte-Luce. Là c'est joli, c'est encore différent, hein, un peu plus de cailloux et tout ça. Non mais tout est beau ici. Hein. Ouais, vraiment là, mignonne. Par contre, le seul snack qu'il y a, bah, il est fermé. On est lundi. Donc on va chercher un petit truc pour manger hein, quand même. Sinon on ira au Diamant, il y a plein de snacks qu'on n'a pas testé encore. Je sais pas ce qui est ouvert là, aussi. C'est ça, on est lundi, on va voir, on avise. Allez, on avise. Donc voilà, ici vous pouvez retrouver le village donc Pierre et Vacances qui est situé dans Sainte-Luce. L'entrée est par ici. Vraiment, c'est assez grand et le coin est plutôt sympa, je trouve. Ouais. Donc si vous aimez Pierre et Vacances, je pense que c'est bien situé. Le choix est fait direction le Diamant où il y avait tous les petits snacks. Même des agoulous, donc pourquoi pas goûter un agoulou, tiens. Ouais, un agoulou martiniquais. Ouais, en mode, on n'a pas encore goûté, ça peut être pas mal, ça peut changer. On va voir ça. Bon, bah... Des fêtes. Il n'y a pas grand-chose d'ouvert le lundi. Hein. C'est compliqué. Il y a deux trucs. Il y a celui-là derrière et ici-là. Voilà, c'est les deux seuls qui sont ouverts. Donc c'est Burger. Lui, il a des... mi-cuit de morue ou des petits poissons à 18 et là lui c'est poulet grillé, boucané ou voilà. Ouais, un peu la même chose. Et quoi. Le truc c'est que le temps, on va prendre une saucée. Ouais, non mais c'est ça le problème. Là, la pas, vous voyez la vraie comment c'est? Là il s'est par la grille ici en plus. De quoi? Ça y est. Ah ça arrive. Ouais, ça vient. Faut qu'on vous range. Faut qu'on change de cam. Rechangement de caméra. Ça fait sympa monter le vlog, moi. Il pleut, genre, voilà, je vais ouais. Faire avec ouais. Toutes ces caméras. Ça va, les parents? Ça va. Douche naturelle ça va. Aujourd'hui. C'est non, la fête. Ça va, ça bouille. Ouais, c'est la fête à la grenouille. Hein. Bon, bah. En plus, le problème, c'est que là, il n'y a aucun endroit à l'abri. Non. Donc, on peut même pas manger en s'abritant, quoi. Donc, on va checker, puis bon, on va voir. Oh, ça nous change d'ambiance. Jojo, elle fait des cascades. Hein. On a fait un peu le tour pour essayer de trouver un truc, mais je crois qu'on va. Maman, il est labouré sans boire, par contre. Ouais. Pas de planteur aujourd'hui. Risqué, hein. Ouais, puni. Y'a rien, profitez. De retour au Coco Loco. Alors, on était déjà venus, on vous avait déjà montré, il y a des burgers. Il y a des kebabs aussi et voilà. On voit quand même. Attends, on recommence. Bah ouais, c'est le seul qui est. En plus il est super sympa et c'est bon. Bon. Oui c'est ça. Donc, moi j'ai repris la même chose. 15 euros le menu avec une bière. Oups, pardon. Pâte. Et moi. Américain cette fois-ci, ils avaient le pain. Petit sauce poivre. Ça paraît bon l'américain aussi là. Moi, et les parents, ma papa il a fait américain aussi. Et moi en burger. Sauce poivre. Et moi j'ai pris ça en entrée. C'est comme une salade de fruits un peu, mais avec un seul fruit quoi. Un seul fruit. Bon bah bon appétit. Bon bah toujours aussi bon. Franchement moi je recommande. Hein. Toujours. Deuxième fois qu'on dit quand même le Coco Loco, c'est ok. Mais en plus. Puis il est super sympa. Franchement tu sens. Moi j'ai l'impression que ça faisait. Ça faisait 2 mois qu'il était ouvert, tellement il était impliqué. Après, c'est sûr, vous venez une semaine aux Antilles, vous avez envie de manger le plus local. C'est sûr. Mais des fois, ça fait du bien de changer. Semaines, c'est simple. Pas de changer. Attention, elle s'étouffe. Je m'étouffe.
Bon, et là, ça dépend du séjour. Là, je sais pas si on va faire des courses en bleu. Bah là, on va déjà s'occuper de ranger les affaires. De toute façon, il fait pas beau. Je pense pas qu'on ira à la plage là. Non, on va rentrer, ranger nos affaires. Même si tu peux te baigner sous la pluie, hein, ça m'empêche pas encore. Et se bien sûr. Et se diriger vers notre prochain logement, prochain et dernier logement et de notre aventure. C'est les Trois Îlets. Donc, restez bien connectés si vous voulez voir notre dernière habitation. La maison Boa. Alors, Mel, sympa la piscine de la résidence. Tester avant de rentrer, mais je disais que à mon avis dans le temps ça devait être magnifique. Ouais, superbe. Ouais. Parce que c'est l'ancienne piscine de Pierre et Vacances en fait. Ouais. Il y en avait plusieurs, il y en avait une là et une là-bas. Et là elle s'est un peu défraîchie avec le temps quoi. Ouais, bah oui. Mais oui. Ils vont la refaire, donc si vous venez ici l'année prochaine normalement c'est une nouvelle piscine. Cool. Donc, c'est cool. Ça y est, lavé, repassé, emballé. C'est pesé. C'est pesé. Tout est rangé, du moins rangé. C'est un grand mot, rangé. Oui. Tout est mis dans la voiture. Voilà, c'est pas forcément organisé. Donc j'arrête de faire ça, j'ai remarqué souvent, je fais ça avec mes lunettes, j'en fais ça et je refais ça. C'est très stressant pour vous et moi ça me détend, d'accord? Ok. Ça va aller, Mel? Ouais, ça va aller, merci. Direction les Trois Îlets, est 15h30, on récupère le logement 16h à la place de 17h, donc c'est cool. Et il y a 30 minutes de route depuis donc le Diamant. Donc parfait. Notre dernier logement de ce séjour dans les Antilles. Et ouais, les trois dernières nuits. Je suis curieux de voir à quoi il va ressembler. En espérant qu'on va terminer avec une belle note. Ah ouais, c'est toujours sympa de terminer avec une belle note. On passe les doigts. Ça va, Mel? Bien ouais, arrivé. Vraiment, je suis super contente. Ouais, super, génial. Super, super contente. Ouais, génial. Je crois qu'on termine accueillant. Avec le meilleur logement. Ouais, je dirais ça, ouais. Je suis trop contente de terminer avec ça. Franchement, on très le joli. Conseille. Après, c'est peut-être un peu on plus va voir, cher. Faut le vivre. On le dira après, faut le vivre une mais nuit, deux nuits. Mais en première impression, ouais. Au top. On ouais, a vu, clairement. En fait, sur le golfe des Trois Îlets. Et vous avez donc la mer qui est en plus au bout. Le golfe de l'eau et le golfe du gazon, là. Trop joli, cette vue elle est magnifique. On fait le petit tour. Donc tu nous emmènes le bois flotté, parce qu'il y a plusieurs. C'est la maison Boa. La maison Boa, mais il y a plusieurs appartements. Il y a deux appartes au-dessus. À louer. Et nous, on a le bois flotté, je crois. 100 mètres carrés, c'est le plus qui grand. Qui est tout en bas. Donc vous voyez, il y a un escalier qui vient par là. On garde la voiture au-dessus. Là. Ah ouais? Alors, on arrive sur la terrasse avec deux transats face à la mer. Avec. Coucou les parents. Table. Coucou les chanteurs. Magnifique, pour reprendre les petits déjeuners face à la mer. L'espace barbecue qui est vraiment très sympa. Deux petits transats de plus ici, barbecue, au gaz. Et le petit bac à ponche qui est vraiment sympa pour se rafraîchir. Et vous avez une sécurité pour les enfants si vous voulez. Ouais. On rentre ? Oh putain, elle est super bonne. Elle est bonne, c'est comme un cool. Jacuzzi. On rentre par vous par là ou vas-y, tu veux... bah, on a plusieurs solutions, mais on peut rentrer par la porte d'entrée. Petit bon coin goût. Salon avec des petits hamacs suspendus. Là, vous pouvez prendre le petit bar à la piscine. Le petit bar, le petit ouais, à la piscine. Il est haut pour la piscine quand même. Hein. Premier espace plutôt salon très sympa. Cosy. Avec lumière magnifique, j'adore. Très joli. On arrive dans l'espace cuisine qui est ouverte sur l'extérieur. Donc il y a un bout de la cuisine qui est là. Ensuite, vous avez une table pour 4 ici. Et le reste de la cuisine qui est de l'autre côté où on peut retrouver frigo, lave-vaisselle, plaque chauffante, enfin tout ce qu'il faut, c'est de l'autre sens. Tu n'arriveras à rien ouvrir là. Hein. Il n'y aura pas de planche. On va le faire, on va le faire, obligé. On continue ici avec l'espace salon, en continuité. Qui est très grand, ventilateur au-dessus. Et c'est le meilleur remède pour les moustiques, c'est le ventilo et les ventilos. La déco, regardez d'ici, la vue du salon. Regardez. Voilà, pour l'instant, la vue sur tes parents, mais il y a les montagnes en face et tout, c'est magnifique. Bon, on arrive première à la chambre. Parents. Ils avaient demandé de les séparer, hein, mais vous, ils peuvent avoir. Vous pouvez avoir collé. Et à chaque chambre, vous avez donc un petit rangement ici et vous avez une salle de bain un ici. Un moustique. Voilà, donc la petite salle de bain avec douche, voilà. Oui, elle est mignonne. De toute façon, on voit vraiment rien, Mel. Je ferai des plans après. Ok, voilà. Et nous ? Il y a un toilette commun. Ici.
Voilà, le petit toilette commun ici pour tout le monde, avec un petit cocotier. Et là, moustique. Petit espace de rangement, des jeux, voilà. Ici, vous avez un ascenseur, si vous voulez, pour monter les affaires, descendre les affaires. Ça, c'est pratique. Ça peut être pratique, ouais. Et là, on a lui dans notre chambre, qui est aussi très jolie, avec un grand lit et une nouvelle literie. A priori, il faut qu'on essaye et qu'on donne notre avis. Ouais, vous avez une petite armoirette dans le coin là et une salle de bain qui est un peu plus grande. Elle est belle. Hein. Avec toilette. Toilette, double vasque et une grande douche. Jolie douche. Bon, bah, on fait des plans et puis on s'installe. Bonjour, on se retrouve beaucoup plus tard. Déjà, on a le logement assez tard, donc on s'est installé. Ouais. On a fait un petit coup dans la piscine qui est très chaude. La meilleure, la plus chaude. La plus chaude. Depuis le début dans les Très bien, ma première impression, c'est très bien. Clairement, pour finir, c'est vraiment sympa. On n'avait pas dit le prix. Attends, on va demander à papa son avis. Alors ? Non, de finish, très bien. Il a dit qu'il aimait pas. Non, c'est pas vrai. Je mens. Il a dit oui, ça va. Voilà, exactement les paroles de papa. Voilà. On a hésité aussi pour le repas en fait, à savoir si on mangeait là, si on allait manger quelque part, si tout ça. Et en fait, sur la route, on avait des légumes congelés qu'on décongelait. Donc on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, on va chercher un petit truc. On a été au Caribe Price, qui est à 8 minutes de notre logement. Et bon, la route, la nuit, on ne connaissait pas, c'est un peu bizarre. Vraiment. Pas très éclairé, les phares sont pas ouf de la bagnole. Et on trouvait que les prix étaient plus chers que les autres magasins qu'on a déjà fait ici en marché. Sur les grands trucs, le lait, l'eau, et après, ils ont des petits défauts d'approvisionnement quand même. Il y a des rayons un peu vides. Les fromages, il manquait les trois quarts. L'eau pétillante, il n'y avait pas. Il y avait du Perrier, 1,50€. Le lait, c'est 1,16€. Ouais, et la viande, elle était bleue. Ouais, voilà. Un peu verte même. Donc, on n'a pas pris le risque. On s'est pris des trucs sains, mais moi je dirais environ 30% de plus sur la plupart des trucs. Cordon bleu qu'on s'est pris en fait, on n'a pas mangé depuis le début. 4,50€ les 4. Voilà, ça reste convenable. Donc on se fait une petite popote à la maison, mais dès demain on vous emmène manger au restaurant. Moi et Ben, on va dans le restaurant, a priori le meilleur de Martinique, et c'est le premier en mode plutôt gastro et bistro. Attesté, demain soir je l'emmène. Tu m'emmènes? C'est moi qui conduis. Et on terminera avec les parents normalement avec une note taille. Mais ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Donc, Et pour ne pas louper ces vidéos, abonnez-vous, mettez la petite cloche. On espère que ça vous a plu. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Ouais, un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez juste laisser un commentaire. Et on se retrouve tout bientôt, toujours pour la fin de nos aventures, toujours en Martinique. Salut les loulous.